Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end, ma foi plutôt caniculaire. Alors voilà, je suis en vacances, mais je me permets de vous faire un petit coucou pour vous dire que je pense bien à vous. Et donc, petite revue aujourd'hui, voilà, pour changer un petit peu. Donc, petite revue axée sur un Power of the Prime, voilà, donc, à savoir le géologue de la bande Autobot. Donc oui, vous l'aurez reconnu, il s'agit de notre petit ami Beachcomber. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous donne peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis, à tout à l'heure. Et sans plus tarder, petit aperçu de la boîte. Voilà, petite boîte Legend, assez bien fichue, sur laquelle nous retrouvons donc en artwork notre ami Beachcomber dans son bot-bot. Et puis juste, voilà, en face principale, le même Beachcomber sous sa forme petite buggy des dunes. Voilà un petit peu. Voilà, au dos de la boîte, donc nous retrouvons à nouveau le produit commercial, donc sous sa forme robot et alternative. On a également un petit résumé nous expliquant que géologue Autobot, il utilise ses scanners pour trouver des ressources, tout comme dans le G1. Et on nous explique aussi qu'il est possible de mettre des petits, alors je ne sais plus comment on les appelle dans cette série-là, dans cette gamme-là, des petits Prime Masters, je crois. Donc c'est à peu près l'équivalent des Titan Masters, sauf qu'au lieu d'avoir des visages, donc nous avons des petits symboles différents qui leur confèrent donc des aptitudes supplémentaires. Voilà un petit peu donc pour la petite boîte. Nous retrouvons également donc la petite carte collector avec le même artwork. Alors, on va faire un petit zoom comme ceci. Voilà. Toujours dans une pose dynamique. Et au dos, voilà le petit schéma le concernant. Transmute les métaux pour créer de remarquables ressources. Et puis, bien évidemment, la petite notice d'utilisation. Alors, monsieur Focus, voilà. Et voici sans plus tarder notre petit Beachcomber, voilà, sous toutes ses coutures. On va faire un petit, voilà, un petit 360 global de la bête, donc très fidèle au G1, qui s'inspirait lui-même de la buggy Chenote M1040, qui était utilisée principalement par l'armée américaine, voilà, dans les années 80, au début des années 80. Voilà un petit peu concernant l'undercarriage. Et puis donc tout comme pour ses prédécesseurs issus de la gamme Titans Return, pardon. Donc il est possible, voilà, de pouvoir, comme indiqué sur la boîte, y placer une petite figurine. Donc c'est toujours sympathique. Les plus jeunes seront sans doute ravis par ces possibilités, par cette possibilité du moins. Voilà, donc notre petit Pepper Beachcomber qui roule absolument parfaitement. Voilà. Il fait son job. Donc on peut voir aussi au niveau des détails, hein, donc le moteur à l'arrière. Les roues, les jantes peintes aussi, ça j'aime bien. Voilà. Donc vraiment, esthétiquement, un véritable et très bel hommage rendu au G1. Voilà, notre petit pépère. Et le voici à nouveau, donc, en compagnie de notre bon petit et fidèle G1, voilà, qui était sorti en 85. Les caractéristiques sont
sont identiques, vraiment un chouette hommage au G1, il n'y a pas à dire. Moi j'étais déjà assez fan, hein. Ça c'est le mien de quand j'étais petit, qui a survécu. Et donc voilà, de voir un tel hommage 33 ans après, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Surtout que ce personnage n'est pas particulièrement représenté dans l'univers Transformers en général. Et puis donc le voici également à côté de la version Universe qui quant à elle était sortie donc en 2008. Alors après avoir fait le tour du propriétaire, donc nous allons pouvoir nous attarder un petit peu sur notre poteau Beachcomber et ainsi que la transformation, donc qui est, alors je l'ai trouvé fun et intuitive, et aussi globalement très proche de la version Universe qui était sortie en 2008. On retrouve à peu près le même concept de transformation. Alors tout d'abord, donc vous allez prendre cette partie-là, la déclipser ici, ensuite séparer ces deux pièces-là qui vont venir former respectivement les jambes de notre poteau Beachcomber. Ensuite, vous rentrez ces parties-là, voilà, au niveau des pieds et des talons. Ensuite, alors je vais prendre un petit peu de hauteur. Ensuite, vous déclipsez les bras. Et dernière étape, vous exercez une pression, voilà, comme ceci, de façon à libérer le visage. Et voici, mesdames et messieurs, Beachcomber transformé. Voilà, donc comme je vous le disais, une transformation simple et efficace. On lui en demande pas plus. Et là encore, en mode bot, il reste très fidèle au G1. En tout cas, à l'esprit du G1, on va pouvoir faire un petit focus sur son visage. Voilà, on retrouve également donc les caractéristiques du visage de Beachcomber, avec sa visière toute silver juste ici. C'est bien lui, pas de souci. Quelques petits tampons. Donc imprimé directement au niveau de l'abdomen, donc ce ne sont pas des stickers, ça c'est quand même une bonne petite chose. Et puis quelques petites touches de peinture aussi au niveau de l'abdomen. Voilà. Une figurine plutôt très réussie, bien proportionnée et très fidèle au jouet de l'époque. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la possibilité de pivoter la tête de gauche à droite. Alors pas de 360, hein, parce que vous avez ces parties-là qui vont venir bloquer la tête de chaque côté, mais voilà, on a quand même une bonne amplitude de mouvement, c'est largement suffisant. Au niveau des épaules, la pub d'off, pas de souci. Un ball joint qui permet une rotation intégrale du bras. Un autre ball joint qui permet donc une rotation complète de l'avant-bras, y compris une pliure du coude à 90 degrés. Les mains sont fixes et peintes dans la masse. Le grand écart Van Damme, pas de problème. Dans ce sens. Et hop, dans ce sens. Nous avons donc, voilà, là encore, une bonne amplitude, un joint champignon qui permet une rotation de la jambe, et puis, voilà, là encore, une pliure presque intégrale, une articulation presque intégrale du genou, qui fait bien plaisir. Voilà, donc en termes d'articulation, rien à dire là-dessus, il est vraiment très très bien pourvu. Voilà, notre petit pépère. Et dernière petite photo de famille en compagnie donc de notre Beachcomber Universe et de notre Beachcomber Génération 1. Voilà.
Chouette petite photo de famille réunissant mon petit trio. Donc voilà, ce qui pour moi est une très bonne chose. J'aurais pu commencer par des Deluxe ou les Dinobots dans la gamme Power of the Prime, mais bon, c'est vrai que je suis assez fan des Minibots, donc j'ai craqué avant tout donc sur ce petit paire et sur Windcharger, dont je vous ferai une prochaine revue également. Voilà, donc vraiment très très satisfait. Donc vous pourrez vous procurer cette figurine sur le site Amazon au prix d'une douzaine d'euros pièce. Enfin voilà, donc 12 € pour une petite figurine de cette qualité-là, je trouve que ça en vaut vraiment très largement la peine. Dans les magasins spécialisés, elle aurait été vendue bien plus cher que ça. Et puis surtout, on ne les trouve pas. Donc voilà, merci Amazon, merci à mon chat de me l'avoir offerte. Voilà les petits amis, donc j'espère que cette revue vous a plu, j'espère que vous avez donc découvert ou redécouvert cette petite figurine qui voilà rendra super bien dans votre collection Transformers ainsi que dans la collection des Minibots. Je vous ferai aussi à l'occasion une petite photo de famille avec tous mes Minibots issus de la trilogie Prime Wars. Voilà. Donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Et puis bah, bon courage pour les bosseurs. Allez, plein de bisous et à très bientôt les petits amis. Bye bye, tchuss! T'as beau être ultra génial, n'empêche que t'as quand même échappé à un incident diplomatique concernant ton nom. Comment ça? Bah ouais, t'aurais pu t'appeler Beach Concomber. Oh mon Dieu, qu'il est con.